Les fontaines de lave sont à 300 mètres de hauteur. Et c'est sorti du Pu'u'o, ce volcan que je connais très bien. En fait, c'est un message enregistré à Hawaï. Ça s'appelle Lava Line. C'est très efficace. Je l'appelle tous les 2-3 jours pour savoir ce qui s'y passe. Et ça vous dit exactement où en est le volcan. Oui, vous êtes en contact directement avec un volcan. C'est le ventre du volcan qui vous parle. Si la Terre a un rythme, c'est à Hawaï qu'il bat sans cesse. Les plus grands volcans du monde, Mauna Loa et Kilauea, sont des points chauds. Le magma monte directement du centre de la Terre et perce la plaque pacifique comme un chalumeau. Hawaï, c'est aussi le royaume de Pélé, la déesse des volcans, la seule apparition surnaturelle qui ait réussi à troubler Maurice Kraft, le rationaliste. En effet, cette éruption du Kilauea a commencé le jour de son anniversaire. Ce fut son plus beau cadeau. Quand il ne se passe rien ailleurs, les Kraft reviennent à Hawaï, comme pour se rassurer et vérifier que la Terre est toujours en vie. Quand on est dans un hélicoptère, on a l'impression d'être dans un insecte métallique qui va butiner dans les cratères comme les papillons butinent dans une fleur. Donc c'est franchement ce qu'il y a de mieux pour nous. L'hélicoptère nous permet, premièrement, de transporter très vite du matériel sur place, et deuxièmement, de se faire très très vite une idée sur les zones dangereuses sur un volcan. Parce qu'on se met au-dessus, on regarde où ça descend, où vont les nuées ardentes, où vont les coulées de lave, les coulées de boue, et on peut très vite savoir où on peut se poser et où on est sûr de ne pas avoir pris trop de risques. Il y a des fois, il était fatigué, quoi. Il disait, maintenant, je vais finir, et puis on fera autre chose. Non, ils en avaient... Pas autre chose, n'est-ce pas, quand même dans les volcans. Ils en avaient un peu assez de faire des conférences pour gagner leur vie, parce que c'est pratiquement ça qui leur rapportait des sous, n'est-ce pas. Mais alors, ils avaient l'intention... de plus en plus d'aller habiter, finir leur vie à Hawaï. C'était comme ça. Parce que le pays paraît-il formidable. Ils avaient été plusieurs. Vous avez le volcan devant vous, vous avez la mer avec des cocotiers, vous avez. Oh, il paraît que c'est formidable. Quand on vit dans de tels cratères, par exemple au bord d'un lac de lave, en fusion, c'est une aventure perpétuelle. D'abord, on met la tente, mais le sol est chaud. Donc dans les fissures, on voit du rouge, c'est en fusion. Bon. Ensuite, quand cette tente est en place, on est pris par des nappes de gaz. Les nappes de gaz vous mangent la tente, vous mangent aussi un peu les poumons. La tente se retrouve en lambeaux très vite. Et quand on se couche dans la tente en question, eh bien la nuit, ça tremble en permanence. On a l'impression de dormir sur le dos d'un gigantesque dragon qui bouge. C'est quelque chose de tout à fait grisant. Et le soir, au lieu d'aller voir un vulgaire coucher de soleil, eh bien nous, on va voir la lave qui clapote, la fusion juste là devant nous. On a l'impression d'assister à la genèse, quoi, de voir le début du monde se faire.
Ils auraient pris leur retraite à Hawaï. Pourquoi pas? Ils avaient acheté un terrain sur cette île pour être au pied du volcan et voir les éruptions de leurs fenêtres. Serait-il devenu comme ces Hawaïens qui laissent venir la lave et regardent leur maison brûlée en l'offrant à la déesse Pélée? Ces moments de repli à l'abri du monde, ils y tenaient plus que tout. Et si Katia rêvait de courir les volcans le plus longtemps possible, Maurice amassait frénétiquement un étonnant trésor de guerre. À force d'aimer les volcans et de le faire savoir, ils avaient réuni sans doute la plus grande collection au monde. Pratiquement tout ce qui a été écrit sur la volcanologie était à la portée de leurs mains. Une bibliothèque de 4600 volumes, dans toutes les langues, livres anciens, certains inestimables, mais aussi brochures et publications scientifiques, classées par volcan et par continent. Maurice Kraft aimait la peinture, pourvu qu'elle représentât un volcan. Il était devenu un véritable connaisseur, consulté par les plus grandes galeries. Sa collection de tableaux et de gravures, et surtout de gouache napolitaine, est unique en son genre. Sa volcanomanie lui a fait collectionner aussi les films d'archives. Revoir ces vieilles images, comme relire les textes anciens, était une façon de revivre la fulgurante progression de cette science. Peut-être que les images qu'il réalisait lui-même n'étaient que les appendices de sa collection jamais terminée. Maurice a présenté ces images à un congrès au Japon en leur disant, ben voilà, je vais vous présenter certaines images et vous allez me dire ce que c'est et où c'est. Et il a eu un très, très grand succès au Japon étant donné que, ben, on se demandait vraiment ce que c'était. Et c'était donc la première fois qu'étaient présentées des images du volcan de Nyolangai.